Bonjour monsieur, pour vous, lire à quoi ça sert? Ça sert par exemple quand tu as lu un texte et qu'après tu as un questionnaire là-dessus, tu dois faire le résumé de ce texte. Je sais ce que je veux écrire. Va regarder sur son texte et tricher. Hé, hey, pourquoi tu triches? Parce que je sais pas écrire. Je devrais lire, comme moi. Bonjour monsieur, vous savez comment se calmer avant de dormir? Oui, vous lisez parce que si vous regardez la télé ou jouez à la DS, ça va énerver votre cerveau. Allez les enfants, c'est l'heure de dormir. J'arrive pas à dormir. Moi non plus. Bon, je vais vous lire une histoire. Chouette. Pour vous lire, ça sert à quoi? Ça sert à avoir de l'imagination. À la gaillée. La maîtresse a dit qu'on devait faire un spectacle devant la classe. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Ah, moi c'est l'histoire du grand-père de Sam qui est décédé. Sam trouvera qu'il devrait être enterré en mer, c'est bien normal parce qu'il était capitaine. Moi en fait, c'est un petit garçon qui se promenait dans les bois et il rencontre un machin avec des grandes dents, alors il va chercher son bidule pour se défendre. Pas très clair. Je sais, comment tu fais toi? Bah, je lis. Pour vous lire, à quoi ça sert? À s'informer, aussi à savoir aller sur internet et aussi à savoir trouver son chemin. J'arrive pas à comprendre ce plan. Mais tu l'as mis à l'envers. Ah d'accord, mais j'arrive toujours pas à comprendre ce plan. Donne-moi ça. Maintenant, il faut tourner à droite. À droite, c'est là ou c'est là? C'est là. Je m'ennuie, t'as pas une idée de ce que je pourrais faire? Oui, pourquoi tu prends pas un livre? Ouais, bonne idée. Ça sert à quoi de lire pour vous? Ça sert à travailler, par exemple, si on est secrétaire, eh ben, il faut savoir lire pour appeler les pompiers s'il y a un incendie, la police, s'il y a des bandits. Pour vous lire, ça sert à quoi? Si on a une lettre et qu'on ne sait pas lire, c'est important de savoir lire. Oh, une lettre de ton papa! Bonjour, mon... Je n'y arrive pas, tu devrais apprendre à lire. Oui, ça serait mieux, je vais lire des livres. Pour vous, à quoi ça sert de lire? Quand on est grand au travail et quand on est petit à l'école. Donc en résumé, il faut tout le temps lire. S'occuper quand on s'ennuie, s'amuser, comprendre des choses, apprendre des choses, découvrir de nouveaux mondes. Il faut lire! Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesatellite.be.